Je vois un couple dans une maison bourgeoise, simple, meubles plutôt sombres, miroir élégant, sobre. Elle, elle est mince, elle porte des lunettes, les cheveux bruns, mi-longs, en queue de cheval. Elle porte une jupe fluide, mi-genou noir, et un chemisier ou un t-shirt noir. Lui, il est assis à son bureau, de dos, à son ordinateur. Il est brun, il a les cheveux courts et porte aussi des lunettes. Ils se ressemblent un peu. Ils ont un petit bébé. Lui, il travaille et elle, elle reste à la maison s'occuper du petit enfant. Mais elle a l'air heureuse, heureux. Je la vois sur le lit, pendant qu'il est de dos, face à son ordinateur, sur le côté gauche du lit. Elle est allongée sur le ventre, dans un des angles du lit, les jambes écartées de part et d'autre de l'angle du lit. En la voyant, je me dis qu'elle est souple. Elle a les jambes bondées, bandées. Elle prie son mari d'être détaché pour pouvoir bouger. Elle a la chatte plaquée contre le lit. Je l'envie, car elle doit pouvoir bien se frotter. En voix off, je m'entends dire quelque chose comme « ça pue la pudeur » ou quelque chose comme ça. « Dame Ned, j'ai trop attendu, je ne m'en souviens plus. » Samedi 13 septembre, 10h10. Oh, my God.